Bah alors je suis d'accord, on fait comme ça. Oh zut, ça doit être Mimi. Gus. Bon, Gus. Je vous laisse, hein, je raccroche. Allez, au revoir. Où es-tu? Gus, qu'est-ce que tu faisais? Moi? Bah rien. Ouais, tu faisais une bêtise au téléphone. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Je ne dis rien si tu me dis quelle bêtise tu faisais. Mais j'ai rien fait. Ah bon? Qui tu appelais? Non mais j'ai juste raccroché, c'était une erreur. Oui, bah c'est pas beau de mentir. Parce que moi, j'ai pas entendu le téléphone sonner. Donc je sais que c'est toi qui as appelé. Ah, oh, les filles. Gus, si tu ne me dis pas qui tu appelais, eh bien moi, je dis à mes tontons que pendant qu'ils ne sont pas là, tu téléphones au Japon. Ah oui, et pourquoi au Japon? Parce que c'est ce qu'il y a de plus cher. Quelle peste. Gus, t'es méchant de me dire ça. Moi qui t'aime tellement. Aïe, aïe, aïe. Puis toutes les filles à Carcassonne, elles disent « Oh, comme tu en as de la chance de connaître Gus, il a l'air si gentil. » Eh ben non, c'est pas vrai. T'es pas gentil. Ouais, voilà, c'est le Niagara. Ah, les filles. Soit ça joue les casse-pieds, ou soit ça pleure. Mimi. Non, va-t'en, t'es méchant. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Ce que tu dis. Bon, ok, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux? Passe-moi le téléphone. Et pourquoi faire? Si tu veux que j'arrête de pleurer, passe-moi le téléphone. Et non, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai appuyé sur la touche, je rappelle, comme ça je vais savoir qui tu appelais. Non, 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 fais pas ça. Allô? Oh, maman. Ah, bonjour maman. Non, non, je t'appelais juste pour te faire un gros bisou. Mais oui, t'inquiète pas, je suis très sage. Oui, au revoir maman. Ça alors. Gus, pourquoi tu as téléphoné à ma maman? Gus? Gus? Mais qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire à ma maman? Moi, j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire? Bernard, je tiens à vous dire que je trouve votre attitude totalement inadmissible. Mais Valérie chérie... Oh, écoutez, Bernard, osez dire à la baronne de Montbrison que vous trouvez son thé bizarre, alors ça, elle ne me le pardonnera jamais. Mais Valérie chérie, puisqu'elle s'est aperçue qu'au lieu de mettre du thé, elle avait mis des aliments en poudre pour poissons. Mais justement, ce n'était pas la peine de lui faire remarquer son erreur, il fallait le boire et c'est tout. C'est ce que j'ai fait, mais ça avait un drôle de goût, hein. Non, vous avez une telle petite mine attendrissante que je vous pardonne. Mais vous me promettez de ne plus jamais recommencer. Oh, c'est juré, Valérie chérie. Merci, Valérie chérie. Attention, Bernard, il y a des enfants. Mais Gus savait bien que pour son âge, il est très en avant. Oui, mais il a aussi Mimi. Mais écoutez, tant pis pour Mimi. Moi, j'ai envie de vous embrasser. Je vous embrasse. Oh, c'est dégoûtant. Si maman savait que vous faites des choses pareilles devant moi... Mon Dieu, Bernard, je vous l'avais dit. Mimi. Petite chérie, excuse-moi, mais tu sais, tonton Minet regardait simplement si j'avais une poussière dans l'œil. Je crois plutôt qu'il regardait si t'avais pas une dent abîmée. Mimi, voyons. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Bah, Mimi, ça a l'air d'aller, toi? Si, si, ça va. Mais non, Mimi, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est Gus. Il veut pas jouer avec moi. Il est méchant. Quoi? Gus? Mais je lui ai parlé, moi, t'inquiète pas. Allons. Non. C'est pas la peine. C'est pas grave, tonton Minet. Je vais aller dans ma chambre. Et je vais pleurer sans faire de bruit pour déranger personne. Oh, la pauvre petite Mimi. Bon, allez, allez. On va sécher ces grosses larmes. Oh oui. Et on va dire à tata Valie pourquoi Gus ne veut pas jouer avec toi, hein? Bah, je sais pas. C'est peut-être parce que je suis une fille. Oh, quelle honte! Mais enfin, Bernard, faites quelque chose. C'est votre fils, après tout. Je vais compter sur moi. Oh là là. Presque 4h30. Je vais être en retard. Tenez, je suis fait. Bernard, qu'est-ce que vous attendez? Gus, viens ici, j'ai à te parler. Oui, papa Minet. Pourquoi ne veux-tu pas jouer avec Mimi? Moi? Oui, toi! Bah, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment le temps, j'ai plein de choses à faire. J'ai pas le temps de jouer. Et pourquoi tu as téléphoné à ma maman?
C'est sûrement pour lui raconter des mensonges sur moi. Oh, quelle horreur, il a fait ça. Oui, Gus, pourquoi as-tu appelé la maman de Mimi? Moi? Oui, toi. Comme ça. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ça, j'ai pas le droit de le dire. Je le savais. Il lui a raconté des méchancetés sur moi. Bon, eh bien, si tu n'as pas le droit de le dire, tu montes dans ta chambre tout de suite, hein, et privé de sortie aujourd'hui. Allez, plus vite que ça. Non, pas aujourd'hui, c'est pas possible aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, non, rien du tout. Ah, rien du tout. Ah, ben, on ne discute pas. Dans la chambre, tout de suite. Allez. Oh là là, mais c'est pas possible. Faut absolument que je sois chez Cathy, surtout avant 5 heures. Ah, ça va, elle est partie de la poison. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Aïe, aïe, aïe. Allô, Cathy, c'est toi? C'est moi. Oui, je sais. Il est plus de 4h30. Mais j'ai un problème, je peux pas venir. Oui, je sais. Papa Mini m'a consigné dans ma chambre. T'imagines, ça tombe vraiment mal. Oui, je sais. Ouais, mais si je sors, je me fais encore plus disputer. Ça touche fiche en l'air. Oui, mais je sais quand même que... Oh, il faut que je raccroche à quelqu'un. Entrez donc, ravissante mademoiselle Mimi. Mimi? Encore une, décidément, c'est l'invasion. Venez vous asseoir. Voilà. Ah, Mimi, Mimi. Désormais, chaque fois que je prononcerai ce doux nom de Mimi, je ne penserai qu'à vous. Framboisier, c'est vrai? Il n'y a jamais eu de Mimi dans ma vie. Et il n'y en aura jamais plus, je vous le jure. Attention, Framboisier. Je suis terriblement jalouse. Je vous arracherai les yeux si jamais j'apprends l'existence d'une autre Mimi dans votre cœur. Tiens, tiens, ça me donne une idée pour sortir. Bonjour. Ah, bonjour. Mais qui est ce jeune homme? C'est notre fils. Enfin, je veux dire, le fils des 4 autres musclés. Le fils des 4 autres musclés. Mais qu'est-ce que vous me racontez, Framboisier? Non, il veut dire qu'ils m'ont adopté, les musclés. Parce que mes parents ont disparu dans un accident de sous-marin. Dans un accident de sous-marin? Mon Dieu, mais c'est terrible. C'est la vie. Mais cela dit, je suis très contente avec mes papas. Ah oui, Framboisier. En plus de toutes vos qualités, vous cachez un cœur d'or. Vraiment, vous occupez d'un enfant, c'est merveilleux. Oui, merci. Mais vous savez, c'est tout à fait naturel. Et comment tu t'appelles, mon petit bonhomme? Je m'appelle Gus. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Michel, mais tout le monde m'appelle Mimi. Ah, tiens, Mimi. Papa Framboisier, tu sais, elle s'appelle Mimi comme Mimi. Tu sais. Mimi. Oui. Une fille très jolie. Papa Framboisier, il adore se promener avec elle en lui tenant la main. N'est-ce pas, Papa Framboisier? Enfin, Mimi chérie. Mais enfin, je vais bon, vous expliquer. Vous avouez. Moi qui pensais être la seule Mimi dans votre vie. Bah oui, il est terrible, Papa Framboisier. Même à l'autre Mimi, il lui a dit que c'était la seule Mimi de sa vie. Bon, Gus, tu es bien gentil, mais maintenant tu vas jouer dans ta chambre. Mais c'est drôle, Papa Framboisier, que tu connaisses deux Mimi, alors que d'habitude, c'est rempli de Sophie, de Sylvie. Ah oui, Framboisier. Mais enfin, Mimi chérie, mais laissez-moi vous expliquer. Gus, va dans ta chambre. Il en connaît de tous les noms. N'est-ce pas, Papa Framboisier? Tu devras encyclopédie. Mimi chérie, ne l'écoutez pas. N'écoutez que mon cœur. Gus, dehors! C'est ce que j'attendais. Oui, mais Papa Framboisier, tu veux vraiment que je sorte? Oui! Oui, mais Papa Minet, il m'a puni. Il regarde sur le mur. Papa Minet m'a... Oui, eh bien moi, je te donne l'autorisation de sortir. Oust! Bon, tu te débrouilleras avec Papa Minet, hein. Oui, mais sors! Voilà le travail. 5h moins 25, je suis encore dans les temps.
Cathy, j'arrive. Gus, attends-moi, je pars avec toi. Mais enfin, Mimi chérie, où allez-vous? Alors ça ne vous regarde pas, vil suborneur. Merci, Gus. Vraiment, j'allais croire à la sincérité de Framboisier. Bon, je t'emmène manger une glace pour te récompenser? Ouais, justement, je connais un super coin où il y a des délicieux bananas. Petit. Allez, on y va. Bonne journée, papa Framboisier. C'est la dernière fois que je ramène des souvenirs de voyage. J'ai été fouillée 10 fois au moins à la douane à cause de ça. Gus, c'est ton souvenir que tu m'as demandé de te ramener des Schitznitza. Gus. Et quand on te dit quelque chose, tu es prié de ne pas discuter. Mais je ne discute pas, je t'explique. Tu montes dans ta chambre tout de suite. Tu ne sais pas lire? C'est papa Framboisier qui... Oui, très bien. Alors, on en reparlera avec papa Framboisier. En attendant, tu montes dans ta chambre. Tu vois? Oh là là. À peine arrivé chez Caddy, il a fallu que je tombe sur les papas. Oh, la galère. C'est incroyable, cet enfant. Non, il faut serrer la vis. T'as raison, Rémi, il faut le reprendre en main. Hein. Déjà 5h moins le quart. Voilà, mais qu'est-ce que je viens pouvoir faire? Et le yogueux qui m'a débranché l'oreille avant de partir pour le Mexique. Oh, le yogueux, tu es là? Ah, vous êtes tous là. Bonjour les musclés. Bonjour. Bonjour, Gus. Regarde ce que je t'ai ramené. C'est ça que tu voulais? Ah oui, le yogueux est génial. Je suis désolé, le yogueux, c'est confisqué. Et toi, Gus, tu dois remonter dans ta chambre. Mais pourquoi, Gus? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Mais il gueux, j'ai rien fait, je te jure. Comment ça, rien? Il gueux, Minet a interdit à Gus de quitter sa chambre parce qu'il a fait une très grosse bêtise. Mais non, j'ai pas fait de bêtise. Gus, tu sais très bien ce que nous voulons dire. Et devinez quoi? Nous avons retrouvé monsieur juste à côté de chez mademoiselle Catherine et en compagnie d'une certaine Mimi. Ah, mais c'est bien ça, Gus, de sortir avec Mimi. Mais non, gueux, c'est une autre Mimi. Une fille super sympa, une jolie et tout, une grande. Ah oui, et d'ailleurs, à ce sujet, je ne peux pas rester avec vous parce que justement, elle m'a donné rendez-vous. Et... Comment ça, Rémi, tu as rendez-vous avec elle? Bah, elle m'a donné rendez-vous, quoi. Non, mais attendez, non, c'est à moi qu'elle a donné rendez-vous. Non, c'est à moi qu'elle parlait lorsqu'elle a dit à tout à l'heure. Vous plaisantez. Elle a dit à tout à l'heure, mon petit. Et le petit, c'est moi. Mais non, les papas, le plus petit, c'est moi. Toi? Ah oui, vous disputez pas, j'ai rendez-vous avec elle à 5h et on doit manger des glaces. Eh ben non, alors raison de plus, tu restes dans ta chambre. Oui, mais tu n'es absolument pas là, je vais manger des glaces enfin avec elle. Et surtout avec de ravissantes jeunes filles qui s'appellent Mimi. Ce n'est pas du tien non plus, hein, d'ailleurs. Oui, mais place aux jeunes. Hein. Ouais. Laissez passer le petit. C'est moi. Non, c'est moi. C'est moi, alors. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous urgent. Hein. Mais dis donc, Gus. Elle est si jolie que ça, cette Mimi? Bah écoute, c'est Framboisier qui l'a vu en premier, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, alors... C'est moi! C'est moi! Oh, toi, tu commences vraiment à m'énerver! Mais mon cadeau! Vous perdez la tête! Juste, voilà ce qui est arrivé par ta faute, hein. Si tu ne désobéissais pas sans arrêt, ça ne serait pas arrivé, voilà. Mais Rémi, c'est vous qui... C'est moi. Écoutez, Ilgueugueux, ne commencez pas à saper notre autorité paternelle. Et toi, tu remontes dans ta chambre. Et voilà, ça recommence. Eh ben, moi je le dis, je suis beaucoup mieux chez mes tati magazines. C'est plus calme. Et puis, il y a que des filles. Et pas des gamines. Chocolat. Gâteau fourré et une pomme. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il est consigné dans sa chambre qu'il ne doit pas goûter. Ah, le gueux. Gus, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais bien que tu ne dois pas sortir de ta chambre. C'est-à-dire que j'ai un problème. Je sais, tu as fait une bêtise. Non, c'est pas ça, c'est que... regarde, il est 5h moins 7. Et je dois absolument aller chez Cathy à 5h. Bon, tu veux que j'appelle mademoiselle Catherine pour lui dire que tu ne peux pas venir? Mais si tu pouvais me rebrancher l'oreille comme ça, je vais chez Cathy et puis je sors pas de ma chambre. Ah non, que ça, on ne peut pas faire. Quand on a une punition, eh bien, il faut la faire. Oui, mais tu sais... Non, je ne veux rien entendre. Mais je te jure que tu sais... Bon, puisque c'est comme ça,
je m'en vais. Et toi, tu montes dans ta chambre. Voilà. Oh là là, t'es là aujourd'hui. Parce que ça peut être bête, les adultes, quand ça veut rien comprendre. Oh là là, 5h-5. Bon, j'ai plus qu'à désobéir. Je sais bien que c'est pas dans ma nature, mais il faut ce qu'il faut. Oh non, tout est fichu. Bon, laisse-moi passer. Non! Laisse-moi passer, je te dis! Où tu vas? Ça te regarde pas. Si, justement. Je sais très bien que tu dois rester dans ta chambre. C'est les tontons qui l'ont dit. Oui, merci, je le sais, hein. Mais je pourrais demander une faveur spéciale aux musclés. Et tu pourras sortir avec moi. Bien sûr, si tu me dis tout. J'ai rien à te dire. Ah, mais si. Tout d'abord, pourquoi tu as téléphoné à ma maman? Et ensuite, pourquoi tu dois absolument être avant 5 heures chez Cathy? Mais comment tu sais ça? Je suis une femme. Encore petite, mais une femme. Et les femmes, ça c'est tout. Ouais, ça promet. Bon, alors? C'est un secret. Chic, j'adore les secrets. Mais j'ai promis de pas le dire. Moi non plus, je dirai pas. Mais celui-là, je peux pas te le dire du tout. Bon, tu vas rater ton rendez-vous de 5 heures chez Cathy. Et tu seras puni parce que tu as désobéi. Tu seras consigné encore plus longtemps, voilà tout. Eh ben, je m'en fiche. Comme ça, je te verrai plus. Et puis, j'espère être consigné jusqu'à ton départ. Comme ça, t'embêteras quelqu'un d'autre. Gus, t'es méchant de me dire ça. C'est le corps de trois. Ah, tu es là? Petite Mimi, mais qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Mais tu vois, tonton Eric, je m'ennuie. Mais Gus n'est pas avec toi? Ben non. Mais où est-il? Dans sa chambre. Dans sa chambre, c'est encore moins de trois, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est malade? Gus? Non. Mais il a pas arrêté de faire des bêtises depuis ce matin. Il est puni. Je comprends tout. Mais c'est pas ça le plus grave. Si, si. Tu vois, tonton Eric, c'est pas pour moi que je dis ça, mais Gus, il est tout seul. Il fait si beau. Je comprends. Tu voudrais que je lève sa punition? Tu seras le plus gentil des tontons. Je connais bien là. Le caractère de ta maman, si douce, si gentille. Ah d'ailleurs, tiens, je me souviens d'un jour... Oh, d'ailleurs, j'étais tout gamin. C'était après une rencontre de rugby. J'avais eu une petite bagarre avec les copains à propos du résultat, évidemment, du match. Et puis, oui, oui, je sais, tout est bien. Excuse-moi, petite, je rêvais. Bon, et Gus? J'y vais. J'y vais et je te le ramène de ce pas, Gus. Non, non et non, je ne veux plus la voir. Je m'en fous, il est 5 heures. Mais tout est raté à cause d'elle. Oui, laisse-moi. Ah, 17h, 17h. C'est fichu, ça n'était vraiment pas difficile, mais c'est fichu. Ah. Mais qu'est-ce qui est fichu, tonton Eric? Oh. Je pense que maintenant, ce n'est plus un secret. Je peux tout te dire. Mais je sais, tonton Eric. Ah oui? Mais oui. C'est encore une histoire de fille. Oui, mais si l'on veut. Si l'on veut. Mais... Tu es encore amoureux de ma maman. Et tu n'oses pas lui dire. Alors tu as demandé à Gus qu'il l'appelle à ta place. Hein? Oh non, Mimi, non. Non, pas du tout, Mimi, non. Mais tonton Eric, je connais la vie. Par contre, ce que je comprends toujours pas, c'est cette histoire de 17h chez Cathy. Mais, faites... Oh, Mimi, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est tellement simple que tu n'y as même pas pensé. Encore? Gus, je t'avais dit de ne pas sortir de ta chambre. Moi, à ta place, je me ferais oublier. Surtout après ce que tu as fait à Mimi. Oh, ouais. Moi? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Bah oui. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça, je préfère ne pas te le dire. Oh, mais, les copains, il faut que je vous parle. Tout à l'heure, Eric. Pour l'instant, nous allons régler le cas de Gus. Oui. Quelle journée. Les copains, il faut vraiment que Eric, je vous parle. Eric, on t'a dit plus tard. Tiens, Mimi.
J'ai demandé à Ilgugu de le ramener exprès pour toi du Mexique. Mais pourquoi tu me donnes ton cadeau? Bon, eh bien, allez-y, j'écoute la sentence. Bon. Allez-y, punissez-moi. Bon, alors, maintenant, ça n'est plus possible. Voilà, je ne peux pas laisser faire ça, j'avoue. C'est moi qui ai donné l'idée à Gus, enfin, qui lui ai dit de garder le secret. Et Gus, tu peux le dire, parce qu'en fait, au départ, c'est toi qui as eu véritablement l'idée. Quelle idée? Alors, Gus, c'est... on t'écoute, hein. Mmh. Eh bien... Eh bien... Eh bien... Bon anniversaire, Mimi! On t'a bien eu, hein, Gus? Non, mais tu croyais vraiment qu'on était si méchants que ça? Ah, tu croyais qu'on était plus très fiers du plus gentil des petits Gus? Bah, parfois, vous savez... Mon fils, tu sais que c'est la plus belle idée de bêtise que tu aies eue depuis ta naissance. L'anniversaire de Mimi! Gus, comme c'est gentil. Bon, d'accord, c'est ton anniversaire. Mais attendez, attendez, mais qui vous l'a dit? C'est mademoiselle Catherine. Elle était dans la confidence. Elle attendait tout le monde à la cafette pour une surprise partie à 17h. Et comme elle savait que Gus était consigné ici, elle a tout changé. Elle nous a confié le gâteau et elle arrive tout de suite. Et où pouvons-nous poser cette chose parce que c'est extrêmement lourd? On va à la cuisine comme d'habitude, très chère Valéria. Écoutez, est-ce que je peux découper le gâteau parce que c'est ma nièce après tout? Et moi, je m'occupe des rafraîchissements. Bon, moi, je vais chez mademoiselle Catherine pour l'aider à rapporter les glaces à la vanille. Super. Rémi. Psst. Psst. Rémi. Rémi. Quoi? Un peu de discrétion, quand même. Mais oui. Rémi. Pardon. Mais qu'est-ce que vous voulez, les copains? Ils sont tellement mignons à regarder. Alors, c'était ça ton secret? Bah oui. Et c'est pour ça que t'as téléphoné à ma maman? Bah, c'était pour savoir l'heure exacte, tu comprends. Je sais pourquoi je voulais rien dire. Oui. Et ça veut dire que tu m'aimes quand même un tout petit peu? Oh non, les filles, faut tous se pousser.